Madame la Ministre, euh, si le travail des, des plannings familiaux est évidemment à, à saluer en ces temps de, de crise sanitaire et de confinement. La question de, de garantir le bon, euh, le bon développement et le bon déploiement de, de leurs missions se pose. Il me revient du terrain que, tant du côté des hôpitaux que de ces centres de planning familial, les services euh, seraient soit fermés, soit en difficulté, voire même saturés et ne seraient donc pas en mesure d'apporter une réponse satisfaisante ou, ou du moins rassurante à toutes les femmes euh, qui les contactent. Le nombre de grossesses plus avancées, par exemple, serait en augmentation en raison euh, notamment de la fermeture de certains centres. À cela s'ajoutent euh, bien sûr les difficultés à joindre un médecin, à être orienté vers euh, le bon planning et, et surtout à pouvoir y accéder le tout sans être, euh, sans être malade, sans avoir été en contact avec une personne positive ou être supposée euh, positive, ce qui euh, génère bien sûr une certaine angoisse. Et au sein d'une communauté de jeunes femmes de la région de Charleroi sur Facebook, un courrier anonyme euh, a exposé avec beaucoup de, de désarroi la situation euh, triste et malheureuse d'une d'entre elles. Alors qu'elle apprenait euh, être enceinte de dix semaines, la, la dame aurait pris contact avec quatre centres de planning familial différents où elle aurait euh, reçu apparemment à chaque fois une réponse identique, à savoir, il nous manque des médecins disponibles, euh, disposés à procéder à une IVG. Donc mes questions par rapport à ça, Madame la Ministre, sont les suivantes. Euh, certaines équipes s'attendaient une explosion des demandes euh, d'interruption volontaire de grossesse. Qu'en est-il Est-ce que vous avez eu écho euh, d'une quelconque saturation du système, que ce soit en hôpital ou vis-à-vis euh, -vis des, des centres de planning familial Quelle est la situation actuelle au sein de ces euh, centres de planning familial Est-ce que des problèmes d'accessibilité sont à déplorer euh, dans le chef de ces centres Qu'en est-il notamment euh, de l'approvisionnement de ces centres par la VIC en termes de pays et hormis euh, lors de la euh, conférence interministérielle euh, qui s'est passée en mai dernier, où, où j'ai vu que la, la question de la santé sexuelle et reproductive avait été abordée, est-ce que cette question a depuis lors été euh, à nouveau abordée Je vous remercie.